Toi, est-ce que tu sais qui a mis la petite graine dans le ventre de ma jolie maman? Oui. C'est ton papa. Tous les papas mettent la petite graine dans le ventre de la maman. Après, cette petite graine grandit et les enfants viennent au monde. Ah! Et c'est pour ça que les mamans après ont un gros ventre. Parce que la petite graine est en train de pousser. Exact. Toi, tu as bien observé la dame du restaurant. Tu sais quoi, Nacho? Quoi? Je lui ai chanté une chanson, une petite chanson toute douce, pour qu'après, elle n'ait plus du tout mal au ventre. Frigolito, ça suffit maintenant les questions, le docteur doit travailler. Non, non, Frigolito ne me dérange pas. Nacho, est-ce que les bébés naissent par une graine? Ah oui, tu sais, tout le monde naît de la même manière. Quoi? Je me demandais où est-ce qu'il a pu acheter la petite graine, mon papa. Ah, et bien ce soir, tu vas pouvoir demander à ta maman. Je pense qu'elle te répondra. Oui, mais elle ne le sait pas non plus. Tu vois, tu devrais vraiment rentrer là. Il ne peut pas y avoir d'enfant ici. Depuis quand, Margarita? C'est un hôpital public. Mais je travaille maintenant. Je ne peux pas travailler et m'occuper de Frigolito. Si vous permettez. Docteur, voici le rapport de clinique que vous m'avez demandé et je vous ai aussi apporté le dernier rapport du laboratoire que vous vouliez. Madame Evangelina? Je suis là, Annonciation. Eh bien, je m'en vais. Alors comme ça, vous allez vous installer dans votre nouvel appartement? Oui. Je suis un peu nerveuse. Je ne sais pas comment ça va être de vivre avec Ramiro. Tout cela dépend de vous. Pense que tu es en train de fonder ta famille. Je sais. J'adore tellement cette idée. Mais je suis tout de même morte de peur. Madame Evangelina, avant de partir, je voudrais éclaircir quelque chose. Oui, je t'écoute. Hier, vous m'avez emmenée dans ce restaurant. J'ai attendu dehors et après, je ne vous ai pas retrouvée. Pourquoi m'avez-vous emmenée là-bas? Que se passait-il, Evangelina? Dites-moi. Il faut que vous m'excusiez. Il y a des histoires que seule la petite Vierge peut connaître. Histoire? Alors vous avez fini par me confondre complètement. De quelles histoires est-ce que vous voulez parler, Oublie Evangelina? Oublie donc toute cette histoire. Écoute. Aie confiance en moi, encore une fois. Bien. Puis-je au moins te prendre dans mes bras? Bien entendu, Madame Evangelina. Merci pour tout. Oui. Regardez, docteur. Margarita. Et Frigolito. Il est parti. Il y a une question que je voudrais te docteur, poser. Docteur, voici la liste des patients qui attendront leur tour. Je t'en prie, ne t'en va pas et arrête de m'ignorer tout le temps. Pourquoi est-ce que Frigolito dit qu'il vit avec sa maman, s'il vit avec toi? Alors qu'il est, vous êtes mort pour moi. Et moi, aux morts, je ne leur réponds pas. Dans cet hôpital, je suis assistante. Si le docteur me demande quelque chose, je le fais. Mais Ignacio Reyes, en tant qu'homme, il est décédé. Et il est au fond de sa boîte bien fermée. Toi, fiancée? Oui. Pourquoi? Qu'y a-t-il de mal dans le fait de s'aimer? Sors d'ici immédiatement! Non, s'il vous plaît, David, ne lui parlez pas comme ça. Il regrette ce qu'il a fait. Je veux que tu partes! David, écoutez-le, c'est votre frère. Ne soyez pas si grossier, je vous en prie. Allez, laisse-le, Adelita. Ne te dispute pas avec lui à cause de moi. Je t'en prie, mon frère. Ne t'avise plus jamais de t'en prendre à ma fiancée. Je ne comprends pas comment on peut devenir aussi grossier avec un homme repenti comme Eduardo. Mon frère est un voleur. C'est la honte de toute ma famille. Depuis quand on ne peut plus pardonner les erreurs, dites-moi? Pardonner, oui. Mais ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'il vous trompe. Ah, ça c'est bien ce que j'attendais. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je suis une idiote, c'est ça? Est-ce que vous croyez qu'il essaie de m'utiliser pour entrer dans la maison? Oui. Je crois que oui. Et celui qui trahit une fois, Adelita, il trahit deux fois.
Donnez-lui une opportunité, David. Pourquoi êtes-vous donc aussi fâché? Je... Ne... Je ne veux pas parler de ce sujet avec vous. Avec votre permission. Je ne parlais pas de Corinna. Mais vous avez dit que vous étiez amoureux et... C'est de cette domestique. En effet, Lucrezia. C'est exact, je suis amoureux d'elle. Maman, je m'en vais à l'hôpital pour aller chercher mon fiancé. Maman ? Maman ! Pourquoi est-ce que tu pleures ? Ne me fais pas peur, qu'est-ce que tu as ? Je pleure pour moi. Pour cette désillusion. Pour la vie qui commence à être derrière, par peur. Désillusion ? À cause de moi ? Non, ma fille. Non, non. Ça me fait de la peine que la vie me montre l'amour. Quand elle me le donne, elle me l'enlève. Mais de qui parles-tu, maman ? De ton père. De qui d'autre, sinon ? Jamais je ne t'avais vu pleurer pour mon père. Enfin, Chantal ! Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas ! Promettez-moi de prendre soin de vous. Prenez plutôt soin de vous. Parce que votre épouse est vraiment formidable. Merci de m'avoir offert l'hospitalité et votre affection. Tu es un homme digne de cette femme. Mais allez-vous-en, parce que sinon, je vais me mettre à pleurer comme une madeleine. Si Madame Evangelina commence à pleurer, il n'y aura aucun mouchoir pour la console. Pas ton chaud. Pas ton chaud. Allons-y. Hop. Madame Evangelina, vous m'en devez une. Moi ? Oui, vous. Je t'en dois une. Oui, vous me devez une réponse. Ce que vous ne m'avez pas raconté, Evangelina, ne l'oubliez pas. Ce que vous ne m'avez pas raconté. Là, va-t'en, là. Oublie ça. Oui, j'arrive, j'arrive. Ah, petite Vierge, réalise ce miracle. Fais qu'Annonciation retrouve enfin son père. Quel père, Evangelina ? Oui, notre père, Pedro. Oui, oui, notre père, le Seigneur. Oui. C'est que, aujourd'hui, j'ai envie de prier. Pourrais-je parler avec vous ? Maintenant ? Oui, maintenant. Je vous en prie. Très bien. Dites-moi, j'écoute. Regardez, le nœud de votre cravate n'est pas droit. Permettez-moi. Que vous arrive-t-il, Lucrezia ? Je suis venue vous dire ce que vous et moi nous savons très bien. Je suis folle amoureuse de vous. Et vous disiez ne pas aimer passer le balai. Ça dépend des jours, Pedro. Aujourd'hui, je dois balayer. Hein ? Eh bien, jamais je ne comprendrai les femmes. On peut comprendre une phrase.
On peut aussi comprendre un livre. Comment croyez-vous que l'on pourrait comprendre un être humain? Nous sommes tous tellement compliqués. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'hier, vous alliez me présenter quelqu'un qui n'est finalement pas venu. Moi, j'allais vous présenter quelqu'un? Oui. Vous avez dit quelqu'un. Et quelqu'un, ça veut dire une personne. Parce que si vous aviez dit quelque chose, vous auriez voulu parler d'une chose, non? Ah. Et vous vous souvenez de la phrase que j'ai dite? Oui. Oui, je me souviens. Ça disait... peut-être que la petite Vierge ne veut pas qu'ils se rencontrent. Et vous savez ce que ça signifie? Non, je ne sais pas. Bien, écoutez. Moi non plus. Et si vous voulez bien m'excuser, je ne vous mets pas dehors. Mais il faut que je continue à balayer. Evangelina, qui était donc cette personne? Répondez à cette question. Vous me jetez dehors. Pas du tout, c'est comme vous voulez. Mais laissez-moi terminer de balayer. Allez hop. Allez. Là. Réponds, s'il te plaît. Que fais-tu dans l'hôpital où travaille mon fiancé? Et arrêtez de me poursuivre. Je vous ai dit que je travaillais ici. Tu es entrée grâce à Ignacio, n'est-ce pas? Non. Laissez-moi continuer mon travail. Pourquoi me défies-tu? Je te veux loin de mon fiancé. Je te fais partir de ma maison et je te retrouve ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je m'en aille vivre dans un autre pays pour ne pas rencontrer le docteur Reyes? C'est ça que vous voudriez? Est-ce que tu veux perdre ton enfant? C'est ça que tu veux vraiment? Je ne comprends pas. Pourquoi joues-tu à faire la petite idiote? C'est vous qui passez votre temps à provoquer cette confusion. Un jour, vous me menacez et vous me renvoyez de la maison. Un autre jour, vous allez au Frijol et vous me demandez de revenir et maintenant, vous me menacez encore une fois. C'est la vérité, tu as raison. Ce doit être... que vous avez quelque chose de très grave, hein? Parce que pour que vous acceptiez que j'ai raison... Je veux parler avec toi. De femme à femme. Seulement toi et moi. Quand vous voudrez et où vous voudrez. Maintenant. Mais pas ici. Non, non, je vous en prie, Lucrezia. Vous ne pouvez pas être amoureuse de moi. Pourquoi ne puis-je pas vous dire que je vous aime? Non, ne répétez jamais ça, c'est de la folie. Oui, je le sais. Je sais que c'est de la folie que je sois amoureuse de vous. Vous rendez-vous compte de ma souffrance en vous l'avouant? Oui, c'est horrible. Ne voyez-vous pas que c'est également une folie que vous soyez amoureux d'une domestique? Lucrezia, je... Oui, oui, je suis amoureuse de vous. Et si ça, vous pensez que c'est de la folie, eh bien c'est de la folie aussi que vous soyez amoureux de cette bonne femme-là. Je me demande encore et encore, pourquoi Margarita ne dit-elle pas à Ignacio que Frijolito est son fils? Je ne sais pas. Nous devrions le lui demander à elle. Ignacio est mon ami. Je n'aime pas lui cacher des choses. Veux-tu que je lui dise moi? Non, Annunciation, il ne s'agit pas que tu lui dises toi. Il s'agit de comprendre pourquoi Margarita ne dit rien. Mon amour, c'est vrai, tu as raison. Mais pourquoi devons-nous parler de tout ça aujourd'hui, le jour de notre déménagement dans notre nouvel appartement? Aïe, mon Dieu. Je dois forcément avoir fait quelque chose de très bien pour mériter une femme aussi magnifique. Dites-moi, vous allez rester comme ça, vous embrasser ou on va pouvoir continuer le déménagement? Plutôt s'embrasser. Madame, dites-moi, pourquoi avez-vous changé d'avis et voulez-vous que je retourne à la maison?
Francisco me l'a demandé. Moi, je ne veux pas, mais lui, si. Est-ce qu'il vous oblige ? Disons qu'il s'agit d'une négociation entre mon beau-frère et moi qui ne te regarde absolument pas. Vous avez raison. Et de plus, ça ne m'intéresse pas ce que veut Francisco. Je ne retournerai pas dans cette maison, mademoiselle Chantal. C'est terminé. Pour moi, le passé est mort. Et ceci vous inclut, vous et toute la famille Reyes. Il y a un enfant d'Ignacio. Tu ne peux pas nier ce qui s'est passé. Tu as couché avec lui. Ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Je t'en prie. Que vas-tu me dire ? Qu'il t'a violée, peut-être ? Je pensais que l'autre jour, tu allais me dire ça. Tu te souviens ? Toutes les servantes font la même chose. Il faut toujours qu'elles racontent que leurs patrons ont abusé d'elles. Toi aussi, peut-être. Je ne vais pas parler de mon enfant avec vous. Dis-moi, je sais que je t'ai menacée. Mais je suis disposée à tout oublier. Vous savez quoi ? Dans cette maison, vous êtes tous des malades. Vous ne vous rendez pas compte de la folie de tout cela. Ne me traite jamais plus de malade ou je me verrai dans l'obligation de dire à Ignacio que tu lui as caché un fils. Si vous le faites, je me verrai obligée de séduire votre fiancé. Quoi ? S'il m'enlève mon enfant, je vais vous prendre votre fiancé. Et je vais vivre avec mon fils et le père de mon fils. Vous aimez cette idée ? Eh bien, si ça ne vous plaît pas, arrêtez de me menacer parce que j'en ai vraiment assez. Ça va, Juan ? Oh, que se passe-t-il, mon ami ? Écoute, Juan ! Et voici maintenant la caricature du nain. Bon, qu'est-ce que tu cherches, toi ? Pourquoi tu me provoques, là ? Qu'est-ce que tu crois, que je vais te remettre à ta place à chaque fois que tu vas embêter Margarita, c'est ça ? Avant de parler avec les grandes personnes, tu ferais mieux de grandir. Tu sais quoi, Gregorio ? Tu me fais de la peine, vraiment de la peine. De la peine, moi ? Oui, et même, tu me fais même rigoler, tu sais ? Tu veux faire croire que t'es un vrai dur, mais en fait, Margarita te déteste. Tu ferais bien de tourner cette fois ta langue dans ta bouche, ou sinon ça risque de se gâter pour toi. Écoute ! Ce n'est pas toi que sa femme a laissé pour un autre, hein ? Juan, regarde. Là, comme vous le voyez, le bonhomme tout grand, tout fort, il a une de ses paires de cornes sur la tête, je vous dis pas. Je vais te tuer, espèce de nain ! Tu n'imagines même pas comme j'ai peur. Je meurs vraiment de peur. Regarde, regarde comme j'ai peur. Tu crois que j'aurais pas le courage de te tuer ? C'est ça, espèce d'idiot ! Ça suffit maintenant, ça suffit, lâche-le ! Et maintenant, tu peux même pas me jeter dehors, Vicente, n'est-ce pas ? Vicente, tais-toi un peu. Considère que tu es mort. Sale type. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein ? Tu ne te rends pas compte qu'il est deux fois plus grand que toi ? Oui, je sais, mais... Mais maintenant, je n'ai plus peur de me battre contre cette espèce de... Oui, mais ce mec est cinglé. Il ne cherche même pas à comprendre, juste à faire du mal. Écoute-moi, Vicente, ce n'est pas un jeu. Ce type est dangereux. Il est capable. Il peut te donner un coup de couteau dans le dos. Je te le dis. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue te voir. Je n'aurais pas dû. Non, non, je n'ai pas dit ça. Ce qui se passe, c'est que je ne t'attendais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ? Oui, oui, je suis inquiet pour mes patients, mais bon, je ne veux pas t'ennuyer avec ces choses-là, alors... Ça fait longtemps que tu m'attends ? Non, je viens juste d'arriver. Ah, très bien. Alors, allons-nous-en. Ah, je vous trouve encore ici, Pedro. Oui, Evangelina. Je suis revenu parce que j'étais parti sans ce que j'étais venu chercher. Vous êtes venu me chercher au restaurant ? Vous alliez me présenter quelqu'un ? Qui est-ce ? C'est un ami. Hein ? Un ami qui pourrait vous donner des conseils dans les finances. Les finances ? Oui, comme vous m'aviez dit que vous deviez gérer l'argent de mon petit-fils. Ah oui, bien sûr. Pas seulement celui de votre petit-fils, il y a aussi celui du mien. Et ça va leur servir quand ils iront à l'université. Mais alors j'ai pensé, Pedro, que sait-il de l'argent ? Comment va-t-il investir ce qu'il gagne ? Ah, Evangelina, vous trouvez toujours tout ce qu'il faut.
Je vous dirais que les bénéfices ne sont pas nombreux, mais enfin bref. Qui pourrait m'aider à investir tout cet argent? Et maintenant quoi? Il y a autre chose? Je regarde vos yeux et je sais qu'il y a autre chose. Eh bien non. Je le sens. Très bien. Je vais vous dire la vérité. J'ai un pressentiment. Vous avez un bon pressentiment? Je ne sais pas. Je crois que notre cher Juan sait qui est le père de Rosita. Oui, Margarita. Et que voudrais-tu voir? Tu n'es pas venue pour le chapeau, hein? Allez, vas-y, parle. Que veux-tu? Allez, dis-moi, accouche! Écoute, Juan. Je te demande ça, parce qu'on me l'a demandé. Je n'ai jamais eu cette idée. Oui, mais pourquoi tant de mystère? Allez, vas-y, quoi! Il faudrait que tu me dises qui est le papa de Rosita. Est-ce que tu peux me le dire? Bon, ce qui s'est passé avec Pilar, Margarita, quand elle était sur le point de me dire qui était le papa de Rosita, eh bien, elle a été rappelée à Dieu, elle a passé l'arme à gauche, elle est morte. Mais n'as-tu aucun renseignement? Quelque chose qui nous aiderait à le retrouver, peut-être? Malheureusement, non, Margarita. Bon, et pourquoi tant d'angoisse, finalement? Rosita n'est pas la seule petite fille qui va grandir sans papa. Quoi? À quoi penses-tu? Dis-moi. Non, c'est que je me suis rappelé du premier baiser que m'a donné mon papa. Que c'est drôle. Tu sais que je n'avais pas de papa. Un jour, quand j'étais...